ma team DT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Je suis désolé, juste vite fait pour les petites ambres etc. J'ai le parapluie qui est juste en face de moi, je peux pas le mettre ailleurs. C'est un petit peu compliqué, je filme à l'intérieur parce que le temps, comme on vous dure que je suis qu'on est à peine 10 degrés et encore je suis gentil. Et que ça a fait cocailler et pleuvoir. Bref, hashtag ma life. Non, aujourd'hui nous allons parler d'une nouveauté. Nous allons parler d'une nouveauté qu'on connaît déjà tous, c'est-à-dire donc à savoir l'iPhone XR, effectivement. Mais aujourd'hui on se retrouve également un samedi, c'est exact, pour une nouvelle vidéo en collaboration avec Apple Paradise, le groupe Facebook que vous connaissez sûrement maintenant. Je vous invite d'ailleurs tous à rejoindre ce petit groupe Facebook, il est dans la petite description, voili voilou. Maintenant donc l'emploi du temps, ça sera une vidéo tous les samedis en collaboration donc avec Apple Paradise, pardon. Le sujet vous le connaissez, ça traitera forcément d'Apple, voili voilou. On se retrouve donc tous les samedis pour cette vidéo en collaboration donc avec Apple Paradise. On verra quel sujet ce sera samedi prochain. Alors je pense que c'est peut-être mieux maintenant comme ça la luminosité, on verra. Bref, aujourd'hui donc parlons de l'iPhone XR, on le sait tous, ça y est, j'avais même fait une vidéo qui a plutôt bien marché. D'ailleurs merci à tous d'avoir regardé cette fameuse vidéo, d'avoir déposé votre like et votre commentaire, je compte sur vous pour faire la même sous cette vidéo. Bref, l'iPhone XR il est sorti. L'iPhone XR, c'est quoi exactement, est-ce qu'il est bon de l'acheter ou pas? Je vais vous donner en 2 petites minutes maximum le conseil, mais c'est surtout qu'en fait, je vous fais cette vidéo donc pour prévenir qu'effectivement il est sorti, mais pas que ça, sinon la vidéo servira à rien. C'est surtout que, en fait, je vais vous donner des bons plans, des astuces, oui, pour acheter l'iPhone XR bien moins cher, d'accord? Donc tout ça, vous allez suivre les astuces, restez jusqu'au bout et vous verrez. L'iPhone XR, en quelques mots, c'est un petit peu l'iPhone X, c'est un petit peu un mélange de l'iPhone X et de l'iPhone 8 Plus. Voilà en bref ce que c'est l'iPhone XR. L'iPhone XR, pour vous donner une petite idée supplémentaire, c'est un petit peu l'iPhone 5C de l'époque, c'est un peu l'iPhone SE de l'époque. Voilà ce que c'est donc le fameux iPhone XR, mais qui reste tout de même un sublime appareil. C'est franchement génial. L'appareil photo déjà très bien, un écran liquide Retina en HD, on adore. C'est pas non plus le dernier écran qu'il y a sur l'iPhone XR, mais il est quand même très très bien. Donc par rapport à ça, déjà c'est vraiment super top, avec un processeur donc A12 Bionic, le même qu'il y a sur l'iPhone XS. Donc Apple de ce côté là se sent pas foutu de nous, et ça c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Disponible donc en 64 128 et 256 Go. Donc ça c'est les 3 espaces de stockage qui sont disponibles lors de l'achat de notre cher iPhone XR. Donc qui reste tout de même assez puissant, même les caractéristiques, le processeur comme je l'ai dit est puissant, il gagne en rapidité, le flou et la qualité photographique a été améliorée avec des rajouts supplémentaires. Mais bon, ce ne sont que des détails, je ne vais pas vous faire une liste complète des caractéristiques, ça ne servirait à rien, je l'ai déjà fait. Et maintenant je pense que de toute façon vous connaissez à quoi correspond donc ce fameux iPhone XR. Bon, vous en doutez sûrement, hein, on est d'accord, l'iPhone XR il est pas à 500 €, hein. Ce serait trop beau pour être vrai. Alors, les petits conseils et astuces que je peux vous donner en fonction des prix, donc des différents prix de l'iPhone, parce que ça dépend si vous voulez prendre du 64, du 128 ou du 256 Go. Mais bon, faut pas s'affoler, hein, on sait tous que si vous voulez prendre le 256 Go, c'est le plus cher, va falloir aligner un petit 1000 balles. Si c'est pas plus, tranquillou, pépère. Bon allez, j'arrête, un petit peu de sérieux. L'iPhone XR démarre donc à 855 €. Quels seraient mes conseils donc pour que vous achetiez ce fameux iPhone XR, que pour info je vous conseille, si vous êtes un utilisateur d'iPhone X, ça sert pas à grand chose de passer au XR, hein. même le XS, ça sert pas à grand chose. Bref, admettons que vous êtes un des utilisateurs entre l'iPhone 6S et l'iPhone, je vais être gentil, 8, on va dire ça comme ça, sinon après ça vaudrait pas forcément le coup, même le 8 c'est moyen, enfin si, remarque, c'est possible. Bref, c'est comme vous voulez au pire des cas. Voilà, admettons que vous voulez acheter donc ce fameux iPhone XR à 64 Go. Waouh, il est trop beau, waouh, il est trop puissant, oh il est trop magnifique, oh, la qualité photo est géniale. Bref, vous m'avez compris, des fois il faut que j'arrête de faire le con comme ça en vidéo. Bref, du coup alors 855 €, les petits tutos et astuces que je peux vous donner, c'est qu'on arrive en période de fête. Oui, je pense que tout le monde sait que nous sommes donc en octobre. Super Dylan. Du coup, bref, du coup qu'est-ce qui se passe, c'est que l'iPhone XR, vous allez forcément le payer moins cher si vous le prenez pendant les fêtes de Noël. Voilà, moi pour vous rappeler un petit peu pour ceux qui ne sont pas au courant et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'avais acheté à l'époque l'iPhone
iPhone 6 quand il était à, je l'avais acheté à sa sortie. Il était sorti en septembre, je l'avais acheté mi-fin novembre, un truc comme ça, et je l'avais payé, mais vraiment pas cher, hein, maximum 200 euros. Bien évidemment, j'avais pris un plus gros forfait exact, mais sinon, je l'ai vraiment pas payé cher. Bref, et au-delà des 6 mois, je pouvais redescendre le forfait. Vous avez compris le système. Alors, c'est, j'aurais cette astuce à vous donner, effectivement, mais également autre chose, c'est qu'en fait, si vous surveillez bien, si vous fouillez bien, à partir de mi-novembre, j'ai envie de vous dire, tous les sites internet, donc fiables, bien évidemment, hein, tous les sites internet fiables, donc de vente, de revente, je suis certain que vous pouvez vous trouver un iPhone XR, bon, là, il est à 855, vous pouvez peut-être... J'en suis gentil, mais peut-être en tirer à 700 euros, ça fait déjà une belle économie. Hein. On est sur une économie de 155 euros. Faut pas vous affoler, vous allez pas trouver un sublime bon plan à 400 euros, alors c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc voilà. Mais les astuces, voilà, ce serait donc des astuces. Faudrait profiter et vérifier tout ça en période de Noël, par exemple. Mais même des fois, ils peuvent vous faire des promos, certains magasins, certaines boutiques, notamment en ligne, ils peuvent vous faire des promos des fois dans l'année. Pour info, les AirPods que j'ai achetés, je vous en ai déjà fait des vidéos, peut-être que vous vous en rappelez, sinon bah tant pis, allez voir les vidéos. Les AirPods qui vaut donc 179 euros, je les ai achetés sur ces discounts en juillet et je les ai payés je dirais pas moitié prix mais presque. D'accord, je les ai vraiment pas payés cher au final, j'ai eu une belle économie, donc franchement ça a été cool et on n'était pas en période de Noël. Donc voilà mes petites astuces, c'est donc de 1 pour récapituler pendant les périodes de Noël, et de 2, sinon tout au long de l'année, vérifiez vraiment les bons plans dans les différentes boutiques sur internet, bien évidemment, parmi les boutiques fiables, hein, je vous parle pas d'un site là qui vous est inconnu et tout, il n'y a pas trop d'avis et tout, on va peut-être y aller sur, mollo sur les arnaques. Hein. Sinon, l'iPhone XR est un très bon smartphone, je vous le recommande, je vous le conseille vivement, il est super beau, il a un beau design, il a certaines nouvelles technologies que l'iPhone XS apporte, et un autre mélange donc des autres technologies telles que l'iPhone X ou l'iPhone 8 Plus, et franchement, ça reste quand même un bon téléphone, c'est entre guillemets le low cost, c'est pas le plus puissant, c'est pas le meilleur comparé à l'iPhone XS, mais il fait vraiment bien son job et il est suffisamment puissant, et je pense que franchement, il vaut vraiment le coup, l'iPhone XR. Bien sûr, encore une fois, si vous avez l'iPhone X, je dirais pas trop que ça vaut le coup au final, mais vous êtes utilisateur d'iPhone 7, d'iPhone 6, 6S, 8, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas donc de me donner votre avis dans les commentaires, je compte sur vous, merci. Faut que j'arrête de parler trop vite. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait avec le petit like, et sans oublier donc d'activer la petite cloche pour les petites notifications. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mon PSN, mon Discord et mon Fortnite. Voili, voilou. Merci à tous et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.